La noix de coco est un fruit de cocotier de la famille des palmiers ou haricacées. Originaire de la Malaisie, la noix de coco est beaucoup consommée pour son jus et son cœur, mais aussi transformée pour les besoins de cuisine, de dermatologie et autres. Aujourd'hui, les vendeurs ont mis une stratégie propre pour déguster ce jus. À l'aide d'une paille, chaque consommateur peut en prendre, peu importe le lieu. La dégustation de la noix de coco est plus prisée. C'est parce que c'est des fruits naturels. Mais généralement, c'est du bio. Alors, ça fait bien dans le corps de l'homme. J'ai grandi dans le noix de coco. Pour moi, c'est une passion. Cette sève qui jaillit dans cette noix-là, elle est bénéficiaire pour les hommes. C'est un jus naturel. Ce n'est pas de jus qui concerne le sucre et tout, les conservants. Donc ça, c'est naturel. C'est pour cela que nous aimons consommer ça. Donc, ça fait plus de 6 ans que je viens ici pour la consommer. Vous connaissez les ingrédients du noix du coco. Ça concerne beaucoup des effets naturels pour l'organisme de l'être humain. Pour Patrick, vendeur de noix de coco depuis 25 ans, peu de Congolais accordent de l'importance aux noix de coco. Notre clientèle est constituée essentiellement des Ouara, les Béninois et les Sénégalais. Les Congolais achètent pour 50 francs et 100 francs. 100 francs. Étant un fruit saisonnier, la noix de coco est plus répandue à Diosso, dans le Kwilu. En effet, la noix de coco contient de nombreuses vitamines, des minéraux comme le fer, le magnésium, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme.